Eh bien, salut à tous et bienvenue, je suis LinkLogis pour vous servir et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure Dragon Quest Builders. Et avant toute chose... voilà. Voilà ce que j'ai fait hors... Hors vidéo, j'ai crafté un nouveau bouclier, une nouvelle armure. Et on va changer ça de suite, hein, j'ai envie de dire que voilà. Oh, oh c'est stylé. Oh, c'est stylé. Très très classe, j'aime beaucoup. Elle est trop classe, elle est trop trop bien. D'ailleurs j'en ai profité également, j'ai créé les obus crâmes et les obus glaces. Je m'en suis pas encore servi, je sais pas du tout comment ça marche. Mais je les ai créés, au moins on les aura quand, quand on en aura besoin. Bon bref, du coup, on perd pas de temps, on y va. Alors Link, t'as fabriqué ces fusées de glace dont t'avais rêvé? Elles serviront à dégommer les brûles-flammes, après il ne restera plus que la magmasse. Je vais te dire un truc Link, d'après les notes de Galilien, quand tu gèles un brûle-flamme, il laisse un orbe de feu derrière lui. Et c'est ces orbes qui te serviront à fabriquer une arme encore plus puissante. Alors je vais t'expliquer ce que tu dois faire Link. Fabrique plein de trucs de glace, lance-les sur le brûle-flamme. Tu vois où ils sont? Ils traînent devant le château où les monstres m'ont gardé prisonnière. Oui, je vois très bien où ils sont. Vas-y, fais-leur la fête et rapporte-moi 5 orbes de feu, compris? Très bien. Ok, bah c'est parti. C'est parti. J'ai farmé un petit peu de fer, d'ailleurs, hors vidéo. Parce que, bah, on a besoin de masse, hein, tout simplement. C'est pas du tout là que je voulais aller. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai beau avoir farmé, j'ai pas du tout pensé à prendre une porte et un lit à mettre côté neige. Donc attendez, on va voir un petit truc vite fait. C'est pas là. C'est là que j'ai mon bordel de déco. Enfin, j'ai une porte. Et j'ai pas de lit. On va le faire. On va s'en faire un vite fait. J'irai le poser si on a besoin d'aller dans la neige. Mais pour l'instant, c'est bon. Voilà. Ça, c'est largement suffisant. Et on y va. Bon, du coup, c'était celui-là que je voulais. J'ai pas encore farmé, d'ailleurs, pour aller chercher de la meilleure pierre pour les murs. Hein. J'ai aucune idée de quelle pierre aller chercher, en fait. C'est ça, le problème. Mais bon, on verra en temps voulu. J'imagine qu'une fois arrivé dans la glace... Enfin, une fois qu'on explorera un petit peu plus la glace, on pourra trouver des trucs plus intéressants. Et surtout, bah, il me faut de quoi casser une... pierre qui ne se cassera pas quand on la reposera, enfin c'est compliqué. Alors là on va éviter la main qui est au droit devant, mais j'aimerais ne pas aggro le golem en fait. Ça m'arrangerait un petit peu, donc au pire on va aller voir ailleurs. Oh super. Bon, bah super. On a aggro le golem, bon la main on s'en tape. Bon on va essayer de s'éloigner un petit peu et de se faire ce brûle-flamme. Ou celui-là là-bas. Ouais, allez, let's go, c'est parti. On va voir ça. Oh putain, il y a notre golem. Ah, mais il me suit encore, lui. Vas-y, laisse-moi. Ah, oh, et l'autre, il va vers l'autre golem aussi. Bon, du coup. Vous pouvez pas vous taper entre vous, ça m'arrangerait. Ah, ok, ça one-shot. Ok, très bien. Donne-moi ça. Hop, hop. Je prends ça. Et on se casse. Tiens, ok, donc ça les one shot, très intéressant, très très intéressant. Je pensais qu'en fait ça allait les geler et ensuite il faudrait les taper pour leur faire du dégât, mais non, c'est encore mieux comme ça, j'ai envie de dire. Moi ça m'arrange. Du coup il y en avait un par là-bas, brûle-flamme, hein. Il a des pop. On va voir si, voilà, on va voir s'il repop en m'approchant. C'est nickel. Bon bah du coup. Ça veut dire qu'on pourra aussi se faire les brûle-femmes de glace. Je sais pas comment on peut les appeler. Et ça en fait 4. J'aimerais en choper genre 10. Ce serait 10, ce serait l'idéal en vrai. Histoire d'avoir de la marge, parce que j'imagine que la magmasse, donc le boss là, de fin de chapitre, sera faible à ça, j'imagine. Du coup, je pense que pour les 5 suivantes, je vais faire une petite ellipse, hein, puisque bon, là, on a fait les 5 de la quête, 6, et on se retrouve bah, une fois que je suis rentré avec mes 10 orbes. Allez, du coup, c'est bon, tout ça s'est récupéré. Jacqueline,
Cornebook, t'as battu les brûle-flammes et t'as récupéré des orbes de feu. Les obus de glace que t'as inventés doivent être sacrément puissants. Eh plutôt, ouais, je suis plutôt pas mal dans mon genre, tu vois. Alors, voyons voir, si on peut combiner ces obus et ces orbes... si ça marche, on pourrait fabriquer une arme pour régler son compte à la magmas. Ce monstre est entièrement fait de lave. La seule chose que j'ai vu dépasser de la surface de cette énorme main... La seule chose que j'ai vu dépasser de la surface est cette énorme main enflammée. Ah, la main... Ah, d'accord. Il faut donc trouver un moyen de combiner le pouvoir du feu et celui de la glace, et on pourra fabriquer un truc qui calmera la magmas une fois pour toutes. Merci de m'avoir rapporté les orbes, Link. Je vais y jeter un coup d'œil et j'essaierai de voir ce qu'on peut en faire. Oh, c'est bon ça! 30 obus! Nice! Bon, j'imagine que du coup, elle va nous demander d'aller chercher des trucs sur les trucs de feu mais de glace. Je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, c'est les mêmes mobs de feu là, mais ceux de glace. Alors. Je vais en profiter, je vais juste stocker ce qui va pas me servir. Ça, au cas où je vais le garder, ça je vais poser, ça je pose. Voilà, bon, on a un petit peu de place. Hop là. Excuse-moi, Barbarine. Link, je peux te causer? J'ai regardé les notes de Galilien pour essayer de piger comment fabriquer une arme assez puissante pour battre la magmas. Le problème, c'est que les gars arrêtent pas de m'interrompre. Ils font pas exprès. Ils sont là, Barbarine, tu me vois? Ou Barbarine, tu trouves pas que j'ai un biceps plus gros que l'autre? J'ai jamais été une grande intello, mais il n'y a pas moyen de me concentrer avec eux dans les pattes. Il me faudrait une pièce à moi où je pourrais me concentrer sur mes recherches sans que les gars viennent me casser les oreilles toutes les 5 minutes. Je suis désolé de te demander encore un service, mais si je trouve pas la solution rapidement, on la fabriquera jamais cette arme ultime. Tiens, je t'ai fait un petit croquet de ce que j'aimerais avoir. Si tu pouvais m'arranger ça, je serais la plus heureuse des femmes. Et puis, il me faudra aussi quelque chose pour noter les résultats de mes recherches. T'en dis quoi, Link? Tu veux bien m'aider? Bah évidemment. Le plan de Barbarine et un livre. Ouvrage à couverture rigide, plein de récits, de capes et d'épées, d'informations utiles. Bah ça tombe bien, le livre, j'aurais pas besoin de le crafter, il y en a un là. Alors, est-ce qu'elle veut quelque... Ça va, hein? Tu veux quelque chose de... Hein? Bon, bref, on a du goût. Alors, qu'est-ce qu'il faut dessus? Terre, tonneau, porte en bois, lanterne, étagère, l'établi de soudeur, livre... Se calmer, Jacqueline! Bon, déjà, on va récupérer de la terre. Enfin, on va le faire à la terre. Enfin, on va faire les contours, quoi, tout simplement. Allez, hop! Allez, il reste plus qu'à poser la dernière porte. Ouais, je vous ai fait ça en ellipse, hein, parce que bon, hein. Me voir aller chercher du matos pour faire les étagères. Alors pour les étagères, il a fallu que je fasse des livres. Pour les livres, il a fallu que je fasse... il a fallu que je fasse que j'aille rechercher des plantes dans la neige, ainsi que de la glu orange, donc sur les glu gouttes ici. Et ensuite, bah, des étagères, j'ai fait des livres, j'ai fait l'étagère, etc. Donc ça s'est très bien passé. C'était un petit peu chiant d'aller chercher du coup tout le matos qui me manquait. Mais au final, voilà, ça s'est fait. Du coup. Ouais, c'est un atelier comme ça qu'il me fallait. Merci beaucoup, Link. Maintenant, je vais pouvoir étudier les notes de Galilien sans être dérangé et trouver comment nous débarrasser de cette magma en un rien de temps. Tu sais, c'est pas trop mon truc d'inventer des armes. Mais je dois faire avec, je suis la seule à savoir sur quoi Galilien travaillait. Bah dis-le moi, comme ça on sera deux. Pourquoi j'ai travaillé pour un inventeur si j'aime pas inventer? Me fais pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas comme si j'étais son apprenti. Je faisais que l'aider, et c'est pas en remuant le passé qu'on avancera. Au fait, Link, pendant que tu construisais cette pièce, je me suis souvenu d'un truc sur une vieille invention de Galilien. Je vais tout t'expliquer. Déjà, donne la récompense, hein, voilà. Ah, combat au prochain coup, ok. Le repoussoir, boîte piégée contenant une puissante pale de propulsion, repousse énergiquement tout monstre ou toute personne qui s'en approche. Oh, ça me donne des idées, ça. Ça me donne des idées. Ça demande quoi? Les ressorts de lingots de thermopile. En vrai, ça me donne des idées.
pense à un truc. On va en construire un juste pour voir. Hein. Ah, ça en fait 5. Ok, j'avais pas vu. Et du coup, mettons si on les met là. Là, genre, je fais... Ah, non. Genre, je fais... Non. Comment ça marche? Ou alors, il faut un bouton? Attendez, on va voir. Faut un bouton à côté, peut-être? Non. Ou alors, ça me repousse pas, moi. On va tester ça, je sais pas, je vois pas que comment. Mettons. Ah oui, alors là, c'était super, ça. C'était génial. Comment ça marche? Alors, on va faire en sorte que le mob me suive. Et on fait genre... Il s'en fout, en fait. What the fuck? Je comprends pas comment ça marche. Ou alors... Alors, attendez, on va les tuer. Oui, c'est ça. Là. Ou alors... Peut-être en faisant un truc du genre... j'en sais rien. Genre comme ça. Alors, attendez, on va faire... On fait des expériences, hein. Là, comme ça, du coup, il pourra pas passer là. Est-ce que moi, je peux genre... Ouais, faire ça. Ouais, bon, je peux... En sautant mieux, je peux le faire. Eh, hey, machin. Coucou. Oui, c'est ça. Plante-toi dans la terre. Hein. Vas-y, fais-toi plaisir. Oui, plante-toi encore une fois. Vas-y. Ça marche mieux, il paraît. Bon, j'ai raté. Comment ça marche? Ou alors, il faut un interrupteur? Attendez. Non, parce que du coup, j'ai dû créer un interrupteur pour la pièce de Barbarine. Allez, tac, 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 voilà. Faut peut-être un interrupteur et pas juste une plaque de pression. On va voir. Hop, hop. Il est toujours derrière? Il est toujours derrière. Ouais, ça l'a poussé, c'est ça. Ouais. Alors par contre, si on doit faire comme ça, ça va être relou en fait. Ça va être très relou. Attendez, on va faire un test. Hein. On va refaire le test du bouton. Alors je sais, là du coup on n'avance pas. Hein. Bon, voilà, on peut pas avancer non plus tout le temps. Non, ça marche pas ça. Ou alors faut qu'il soit à côté. Attendez. Là, si je fais ça, ça. Eh non, ça marche pas. Bah, c'est nul, en fait. Oh, je suis deg. Non, parce qu'en gros, l'idée que j'avais, c'est que d'en mettre partout... Aïe, bah, j'ai oublié ça. Partout tout autour, là, sur une rangée tout autour de la base. Comme ça, en fait, je l'ai repoussé. Et ensuite, on tirait au canon dessus. Mais apparemment, le jeu dit non. Donc, ça m'embête un peu. Ça m'embête même carrément. Et à quoi il sert du coup le bouton qu'on a mis là? Allumer la lumière, d'accord. Ouais, bah du coup je suis un peu déçu là du truc repousseur. Je m'entendais un petit peu mieux, j'avoue. Je suis pas convaincu du tout. Elle nous a créé des trucs déjà? Non. Je vais juste faire le tour des trucs, des coffres de création là. Rien d'intéressant. Là, on prend ça. Le reste, je le laisse là pour l'instant. On va bouffer un morceau. Tac. Et on va se tenter l'attaque. Hein. On va se tenter l'attaque. Ça va être le bordel dans la ville, mais bon, on y va. Va falloir s'accrocher, Link. L'armée de la magma, c'est en route. Je crois que les nouvelles armes qu'on a fabriquées leur ont fiché la pétoche. Ils arrivent pour nous obliger à fermer boutique. Tant qu'on a assez d'obus-glace prêt à l'emploi, on va pouvoir donner une bonne leçon à ces brûle-flammes. J'ai pas refait d'obus-glace. Tandis quoi, Link, t'es prêt à montrer à ces monstres ce qu'on sait faire? Alors non, pas de suite.
J'ai pas refait d'obus glace, je vais en refaire. D'ailleurs, c'était... Oui, c'était là, je crois. Parce que là, j'en ai que 10, donc dans l'idée, j'aimerais en avoir un petit peu plus. Voilà, 30 de plus... Enfin, un total de 30, ça ira pas mal. On a 50 de feu, donc voilà, ça devrait être bien. Bon, du coup, ouais, on s'accroche, tout ça, ils arrivent, oh mon dieu, là, là, t'as de la glace, ouais, et tout, bon, on y va. J'avais plus beaucoup... J'avance plus beaucoup dans mes recherches en ce moment et ça me met sur les nerfs. Y'a rien de tel pour me vider la tête que de taper sur des monstres. Tu m'en laisses un peu, d'accord? Avec grand plaisir. Va même en première ligne si tu veux, y'a pas de problème. Moi je les shoot au canon, c'est nickel. Ça les a pas touchés ou j'ai rêvé? Ça les a pas touchés, j'ai pas rêvé. Hop là. Oh toi. Non, non. Toi c'est direct mon pote. Allez, meurs. Je te laisserai pas incanter ton sort de feu. Tu me... Oula, oula. Il a pas l'air d'avancer le... non, il charge. Voilà. Et deux. Ah, par contre, si vous restez là, les mecs, moi j'en profite. Hein. Hop là. Hop là. Ah, je suis désolé, je profite. Oh non, il va faire nuit, j'ai oublié de regarder ça, comme à chaque fois. Monstres sont vaincus. Allez, deuxième phase. Oups. Oups. Du coup. Non. Ouais, bon, les brûle-flammes, ça, on s'en fout. Tiens. Et du coup, ça les OS aussi, toujours. Tiens. Ouais, ça OS toujours. Tiens. Tiens! 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 C'est bon? Non, lui il est vivant. Tiens! Mais meurs! Voilà, merci! Va vraiment falloir que je loot tout ce qu'il y a par terre. Et du coup, je tenterai bien, vu qu'on en a 50. Tiens! Bon, ça fait 13 de dégâts, c'est la merde. Salut! Ça va de te TP sur moi? Enfin, de juste de pas bouger en fait. Je me TP, en fait non. Ah oui, je veux looter. Ah non, je voulais looter. Une graine de vie, nice. Ça c'est cool. Nouveau drapal? Non. Pas nouveau drapal? Bon, j'en sais rien, en tout cas on va dormir. J'ai pas fait gaffe si le drapeau il a changé. En tout cas, on n'a pas eu l'effet lumineux comme on a à chaque fois, genre gros éclat de lumière, un nouveau PNJ qui arrive. C'est bizarre. Miam 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 miam. 80 PV, wouhou. Du coup... Pour l'instant, c'est en stock là. Ouais, je vais faire un peu de... je vais faire un peu de ménage là-dedans. Allez, on a eu un baume de soins, ça c'est plutôt cool. On va ramasser un petit peu tout ce bordel, hein. Non, parce que bon, hein, dans l'idée, j'ai un peu foutu le bordel dans la colline. Ah, par contre, pour farmer les canons là, c'est encore mieux que les grenades, hein, franchement. Enfin, que les bombes qu'on avait dans le premier chapitre, hein. C'est juste 100 fois mieux. En plus, voilà, regardez, j'ai fait 3 stacks plus 50. On est plutôt bien. J'ai pas stocké le tissu. Hop là. Bon, est-ce qu'on revient à la glace du coup? Qu'on voit un petit peu. Non, je veux te parler. Voilà. Tu leur as mis une belle raclée à ces monstres, Link. Mais quand même, quand je vois ces sales bêtes débarquer en ville, j'ai toujours peur qu'ils ravagent tout. Ça m'a donné à réfléchir. Pourquoi on construit pas tout simplement un truc qui les retient à l'écart de notre planque? Mais j'aimerais tellement. Tiens, regarde le plan que j'ai dessiné. Si on avait un machin comme ça devant l'entrée, ces saletés pourraient même pas nous atteindre. Je crois que c'est le meilleur coin pour l'installer. Mais bon, le jeu te dit, mets-le là. La palissade à repoussoir, je suis sûr que ça va améliorer nos défenses. Ouais, mais c'est chelou les repoussoirs. Comment ça? Tu pensais que j'avais rien dans la caboche et que je savais que soulever des haltères? T'y vas pas avec le dos de la cuillère, toi? Pour être honnête, je croyais comme toi. Et puis j'ai eu cette idée. Bon, faut voir si ça vaut le coup. Construis la palissade comme elle est sur le dessin, et on verra si elle marche. Alors, ça ressemble à... Oh putain.
Ça ressemble à quoi? Ah, plaque d'activation. Ah, mais donc, du coup, il y avait une plaque. Il faut que ce soit en dessous. What? Attends, what? Ah, il le veut absolument avec des dalles violettes, hein, par contre, je... Ok. Bon, retire le plan, oui. Très bien. Oui. Voilà. Bon, bah, je sens que je vais devoir péter tous mes murs, moi, encore une fois. Ah là là là, je vous jure. Bon, en gros, ça donnerait un truc comme ça. Ah, ça active en plus les canons. Chat bordel. Ah, chat bordel. Bon, en vrai, c'est pas mal. Ça peut être pas mal, donc je pense que... Bon, j'ai pas fini le plan, hein, mais j'ai pas assez de matos pour le finir de toute façon. Mais bon. Ouais, faudrait que... En fait, il faudrait que je l'enterre de 1. Comme ça, les trucs là, les interrupteurs seraient au niveau du sol. Et du coup, les repousseurs seraient plus bas, seraient un cran plus bas, donc là à la place des trucs violets. Donc ça se négocie, ça peut être sympathique à voir, mais du coup, on verra donc ça dans le prochain épisode, je terminerai le plan. Et on continuera tout simplement. Mais du coup, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, vous le savez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo, la commenter. Et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très bientôt pour la suite de cette aventure. Mais d'ici là, portez-vous bien. Et que la funk soit avec vous, les amis. Ciao, ciao.